Bonjour, ici Olivier Clément du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir voir l'arborescence d'un site simplement en indiquant son URL. Il y a un outil très puissant qui permet de faire ça. Donc, vous avez une version de test gratuite pendant 30 jours. L'outil s'appelle PowerMapper. Donc, vous allez sur powermapper.com et si vous allez ensuite sur Product, vous allez pouvoir télécharger l'outil et ensuite l'installer sur votre ordinateur. Donc, moi, je l'ai déjà fait et je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne cet outil. Donc, une fois que vous avez installé PowerMapper, vous allez arriver sur cette interface. Et pour obtenir l'arborescence d'un site en un clic, vous allez tout simplement indiquer l'URL du site ici. Donc là, moi, je vais mettre l'URL de mon site. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche à côté de Map et vous cliquez sur Map Entire Site. Donc là, l'outil va aller scanner l'intégralité du site et il va vous générer le plan. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça donne une fois qu'il a terminé de générer le plan. Donc, une fois que l'outil a terminé de mapper votre site, vous allez vous retrouver avec un visuel de ce format. Vous allez avoir les différentes pages et les sous-pages qui correspondent à chaque lien que vous avez fait dans votre site. Donc là, par exemple, on voit que c'est la page d'accueil de mon site qui va diriger vers les pages qui sont là. Okay. Si vous cliquez dessus, il va vous afficher la page. Donc ça, c'est la page à propos, tout simplement. Et on voit que la page à propos, elle a un lien vers la page « Contactez-moi » et vers la page « Mention légale ». Ensuite, on peut continuer. Là, c'est ma page de formation. Et là, on a par exemple la page « Créer une boutique en ligne ». Donc, c'est une page que j'ai mis sur la page d'accueil de mon blog et qui est assez longue avec différents liens au sein de l'article qui vont diriger vers des pages. Donc, on va avoir par exemple toutes les pages qui sont ici. Donc, c'est un moyen très simple de visualiser l'architecture de votre site. Et vous pouvez évidemment le faire avec votre site, tout comme avec le site d'un concurrent pour étudier un petit peu l'arborescence de son site. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu que vous retrouverez en dessous et à vous abonner à la chaîne YouTube pour obtenir régulièrement de nouvelles vidéos sur le e-commerce, le référencement naturel et tout ce qui concerne le web marketing en général. Merci, à très bientôt !